la manœuvre, donc comment ça se passe. On va partir d'une altitude de 20 000 pieds, c'est-à-dire à peu près 6 000 mètres. Et les pilotes donc, vont mettre plein de gaz et tirer sur le manche pour faire monter l'avion. Quand on atteint un angle de 47 degrés, cette fois-ci, donc on a déjà monté 1500 mètres et les pilotes vont pousser sur le manche. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'avion en fait, va commencer à faire une trajectoire en forme de parabole, d'où le nom de vol parabolique. La zone expérimentale, comme je vous le disais, elle est tapissée donc du sol au plafond. Donc, vous avez du matelas ici, du matelas là, du matelas par terre. C'est un petit peu comme un dojo à 360 degrés. Elle fait 20 mètres de long, plus de 5 mètres de large et 2,26 mètres du sol au plafond. Donc on a vraiment beaucoup d'espace pour faire des expériences.